Oh, you came and tucked your way into my heart. Oh, you look at me in ways I never loved. With you I know that this is all, so I don't need to take it slow. If you want me, then I believe that there's a simple remedy. We don't need no miracle, I think we've seen it all, just make the call. I'll go running over. We don't need no miracle, it's unconditional, just make the call. And I'll be Hier, j'ai fait ma dernière écluse, l'écluse 7, ma dernière écluse de la journée. Ce qui est dur avec les écluses, c'est que tu ne sais jamais en avance c'est comment ils sont arrangés. La distance entre les cordes qui descend le long du mur de l'écluse, puis ils ont des boyaux que tu peux passer une corde alentour du boyau pour te guider. Il y en a qui n'ont pas de boyaux, il y en a qui ont juste des cordes, il y en a que les cordes n'ont pas la même distance. Fait. Moi, ce qu'il me faut, c'est qu'il me faut deux cordes quand le bateau va monter ou descendre. En ayant deux cordes, ben, je peux plus tenir le bateau. Quand j'ai un boyau, j'essaie de mettre le boyau dans le milieu du bateau. Je me mets une ligne en entour du boyau, puis je m'en vais en arrière, puis je tiens une corde. Fait que cette écluse-là, la distance était beaucoup trop grande entre les lignes. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris une gaffe, parce que j'ai pas, il manque 4 pieds de bras. Tu tiens une ligne d'un côté, puis tu vas chercher la ligne de l'autre bord, mais il manque 4 pieds de bras. Fait que je prends une gaffe, j'accroche ma ligne, j'échappe ma ligne, j'échappe ma gaffe. L'autre bord, la ligne, je la tiens dans les mains. Elle, je l'attache temporairement au bateau. Mais il faut pas que tu la laisses attacher, parce que si le bateau se met à bouger, c'est pas fait pour être attaché fixe au mur. Fait que là, la ligne, elle, fait que j'ai pris une autre gaffe. Là, le bateau, le devant du bateau a commencé à tasser. Fait que j'ai pris l'autre gaffe à la dernière minute, mais pas tout à fait assez longue pour aller chercher la ligne. Mais au moins, j'ai réussi à rattraper. Il y avait une échelle sur le bord. J'ai réussi à rattraper l'échelle et à tirer. Puis là, tu avais l'éclusière qui me dit t'es-tu prêt? T'es-tu correct? T'sais, le bateau est en train de. J'étais en train quasiment de tomber à l'eau. Ça n'a pas été une super de belle expérience la dernière. Comme je dis, sont un peu toutes différentes. Il n'y a pas une que tu vas arriver et hey, ça va bien elle, puis l'autre ça va bien aller. C'est toute une situation différente. J'avais en plus un cruiser, un bateau qui était en avant de moi, fait que j'ai pas pu me placer comme je voulais. Les autres fois, j'étais tout seul. Ça me permettait de me placer à l'endroit idéal. L'autre chose aussi, c'est que quand j'arrive à droite, je ne parle pas de tribord bâbord parce que les gens qui m'écoutent sont pas tous marins. Quand j'arrive à tribord, qui est à droite, pour ralentir un bateau, ça n'a pas de frein un bateau. Tu mets ça sur le reculon. Tu te ralentis ta trajectoire pour essayer de te stabiliser et d'arrêter. Le problème, c'est que l'hélice, elle, la mienne, elle tourne, ben l'hélice, elle tourne comme ça. Quand elle est sur le reculon, elle tourne comme ça.
puis vu que l'angle de sortie, comment ça va trop tonique, l'angle de sortie du shaft, de l'hélice, ça fait une différence d'angle, ça fait que le bateau se tasse de droite à gauche, dépendamment de la pas d'hélice de ton bateau. Moi, mon bateau, je le mets sur reculon, le derrière du bateau tasse vers la gauche. Quand j'arrive sur le mur, j'étais tout prêt pour prendre le mur à droite. Quand j'arrive sur le mur, je m'assois sur reculon pour freiner le bateau, mais le derrière se tasse. Fait que c'est, ça l'aide pas à ramasser une ligne puis te tenir au mur. Fait que là, j'ai tout changé mon setup pour être à gauche aujourd'hui. En étant à gauche, quand je vais freiner, je vais m'assurer sur reculon, le derrière va tasser vers la gauche. Fait que je vais aller m'écraser sur le mur. C'est pas grave, j'ai des défenses, c'est là pour ça. Mais ça va me permettre le temps, ça freine notre bateau puis ça va stabiliser le bateau. Ça me donne le temps d'aller ramasser les lignes puis de me placer comme il faut. Là, ce que j'ai fait, j'avais mon 2x4 qui m'aide beaucoup à pas scraper les panneaux solaires. J'ai mis un morceau de nylon que j'avais un morceau de plastique en nylon que l'oncle à ma femme m'avait donné, que j'en ai coupé un bout, puis je l'ai mis au bout du 2x4. Ça me rallonge un peu, puis ça me permet de glisser sur le long du mur, puis il est probablement ce qui va arriver. En avant, j'en ai mis une section aussi. Fait que je me dis en avant, peut-être faut pas, faut que c'est flexible, s'attacher avec la corde, fait que c'est pas grave, si ça rentre dans le mur, ça va flexer d'un bord puis de l'autre, ça. Je suis pas encore sûr si c'est une super bonne idée, il me reste à l'essayer. Vu ma mauvaise expérience, c'est une question aussi de sécurité. C'est une question de topographie de bateau. Que ça, c'est des murs en bâton, on ne va pas briser l'écluse, mais on peut briser le bateau. C'est une question de coût d'argent. Le pire là-dedans, c'est une question de se blesser soi-même, de tomber à l'eau, de me squeezer entre le bateau. Je suis déjà sur le bateau, fait que si je tombe à l'eau, le bateau s'en va. Il peut taper un autre bateau s'il y en a un autre. Il peut aussi m'écraser contre le mur. Fait que c'est une question de sécurité. J'ai discuté ça avec ma femme hier. On a parlé de bien des affaires. Puis en plus, on est venu à la conclusion que elle parlait à des amis, qui serait vraiment mieux que j'aille de l'aide pour la plupart des restants des écluses. Parce que c'est pas une question de théoriste ou de le faire tout seul, c'est que c'est de l'ouvrage. Puis la moindre petite erreur pourrait engendrer des graves conséquences. Il y a plein de choses qui peuvent arriver, puis c'est une fraction de seconde, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce temps-là. Fait que là, j'ai un de mes amis de Alter Ego qui va venir me donner un coup de main, Michel. Michel est en Uber. Il dit, je pense que j'ai 3-4 écluses, 4 écluses à faire avant de le rattraper. Il dit, c'est bon, je descends, je m'en vais t'aider. On était un peu avant l'écluse 6. On vient de passer, d'après moi, c'est comme une genre de dame pour contrôler le niveau de l'eau si jamais il y a trop d'eau. Je vais vous dire, c'est très paisible aujourd'hui. Regardez, je suis pas à la barre. Ça fait différent. Ça fait à peu près 5 jours que je maintiens la barre à chaque jour. Ça fait différent. Avoir un coup de main, ça fait du bien. Ça fait une journée relaxe. On pourrait passer, peut-être prendre quelques belles photos ou faire des placements de caméra plus pensés un peu. Mais c'est une autre très belle journée avec une belle communauté de voileux. C'est aussi qui est le fun, que le monde se tienne de même. C'est excellent. Ça, c'est la chute d'eau avant l'écluse 5. Ça s'en va en descendant. C'est beau pareil. Oui, c'est spécial. Vraiment. On arrive à la quatrième écluse. Ça a pris environ 1h30, Michel, à peu près. Donc ça a pris prendre la poste cette écluse-là, ça a pris après 1h30, ça a pris après 1h30 de navigation, on va s'y rendre. La prochaine est vraiment dans pas long. Puis après ça, ça va être les dernières de la journée, il nous en reste juste deux. Après ça, on va rejoindre le voilier Alter Ego, le voilier Gratitude. Puis demain, ben, on va continuer notre chemin. Puis là, on attend que l'écluse arrive. Présentement fermée. Elle dit qu'il va y avoir une couple de minutes avant qu'il transfère l'eau qu'on puisse y accéder. Fait que là, on essaie de faire du sur place. Puis comme vous voyez, il n'y a pas grand espace ici à attendre l'écluse Caro. Écluse 5. Thank you.
cruiser have been passing in us. So. Yeah, that's it. I hope to never come back after that, hopefully. Wow. Never know. That's my goal anyways. We're leaving for, I don't have a set date. My wife's gonna come and meet me there. Yeah. So today I'm a happy sailor because I have some help today. I did all those locks alone, yes, from 12. And today I got a helper, so it's a big difference. Hell of a difference. Aujourd'hui, le 19 septembre, c'est un dimanche, je vais attaquer la dernière écluse. Aujourd'hui, je vais faire équipage avec Flocon de Ciel, qui est Dominique, qui est venu me voir hier quand je suis arrivé. Et il m'a demandé, il dit, si tu veux, il dit, moi je pars demain. Il dit, on pourra se mettre à l'épaule, fait, côte à côte, il dit, pour te donner un coup de main pour traverser la dernière écluse. Je savais que la dernière écluse, je voulais pas la faire tout seul. Parce qu'il n'y a pas grand point d'attache dans cette écluse-là. C'est juste des boyaux, c'est une écluse fédérale. Je suis même pas sûr si je peux la faire tout seul. Fait que j'ai accepté son offre. Il est présentement 8h le matin. On a décollé. On a deux autres bateaux qui nous suivent. Nous, on est à la tête parce qu'il faut avoir le temps de se placer. Je vais attendre que lui se place. Puis après ça, moi, je vais me placer à ses côtés. Ça va être une nouvelle expérience aussi, un nouveau challenge, quelque chose que j'ai jamais fait. Je sais que Dominique, lui, l'a déjà fait plusieurs fois. Fait que c'est un marin expérimenté. Je vais voir comment ça va se passer. Puis c'est le fun de voir d'autres choses, d'autres techniques aussi en même temps. Après ça, je m'en vais à Catskill à la place pour remater le bateau. J'ai des travaux à faire. Puis je vais attendre Alter Ego. Puis il y a les Gratitudes qui vont venir me rejoindre demain là. Eux autres, ils ont pris une journée de plus ici. Ils font bien parce que c'est une belle petite place. Puis il y a la commodité qui est proche. Mais moi, j'avais comme un lift aujourd'hui. Fait que j'ai dit go, je vais descendre. Puis je vais pouvoir explorer là-bas, puis je vais pouvoir voir ma première expérience avec les changements de marée. Ça va être intéressant à voir.
Super apprécié. Merci beaucoup. C'est fait, c'est fini. Je prends une brosse à soir. C'est pas différent qu'hier soir. Non, c'est pas vrai. Mais non, ça a super bien été. Le truc, je pense, qu'on a vu là-dedans, il avait juste mis une ligne à l'entour d'un boyau. Puis c'est vraiment mon bateau qu'on a vu que c'était bon de juste contrôler le bateau. Quand eux, le nez, puis mon nez tassait vers le mur, j'embrayais un peu sur reculons, le bateau, il se redressait. C'est juste ça qu'on a gardé tout le long. Ça a super bien été. Je suis content aussi. Je suis content aussi de ne pas avoir les avoir stressés plus que ça, avoir endommagé leur bateau ou d'être responsable de quoi que ce soit. Ça a super bien été. Je suis vraiment content. Puis, super de belles communautés de voileux, là. C'est écœurant. On est rendu au niveau d'Albany. Quand tu commences à voir des gros bateaux comme ça, là, les choses commencent à être sérieuses. On va jouer dans la cour des grands.